Bonjour ou bonsoir, c'est le Batango Oyo bino bozolanda biso partout na monde entier, partout surtout na bande konanga ba congolais, ba Oyo bazali na ba province, bazonyo koma na minyoko Oyo. Joseph Kabila tigeli biso na mboka Oyo pendant 18 ans, Oyo charge nango, balingi ba pesa na Félix Tshisekedi abongisa eloko Oyo ba bébisi pendant 18 ans, Félix Tshisekedi arrange nango pendant une année, mais ce n'est pas un problème avec Dieu, tokozala ba vainqueur. Na yelelo, na sele bino na nous, décryptage ya procès à Vital Kamerhe. Parce que tout le monde parle du procès à Vital Kamerhe. Tout le monde commente après procès à Kamerhe. Parce que c'est jeudi, Bissonio Sotozo qui est dans la plaidoirie. Et à la ministère public, et à l'avocat de la République, et à l'avocat prévenu Vital Kamerhe. Bissonio Sotozo qui est dans la plaidoirie. Pour être bateau yéba, ma camboya le candéenine. Mais avant tribunal, les quotas, les camboya Vital Kamerhe, chers Congolais, en tout cas, vous devez cesser. C'est avec la haine vous devez aimer votre pays. To comme comme on a pas commentaire et comme ko bimebele parce que lelo nazaka na décision na lingina lobela bino na lingina lobela bino 7e liberté provisoire à Vital Kamerhe rejeté na lingina lobela bino la présence de la CPI à Kinshasa pour un phénomène kamuina sapu oyo désespère en Nations Unies bakufaka pe bakrela ki ango ba force commune o baboma bande ko na biso na ebele na kasa na niveau ya nini oyo les deux éléments na lingina lobela bino wana c'est-à-dire la liberté la 7e liberté provisoire de Vital Kamerhe rejeté nana présence ya ba expert ya ces pays na kati ya République démocratique du Congo. Mais avant de commencer là na lobina mes condoléances na famille ya ancien directeur ya cabinet ya président de la République Félix Tshisekedi à l'époque où azalaki nanu président IDPS azalaki na cabinet na ye directeur ya cabinet na ye serait azalaki président IDPS tia ke comme na pouvoir comme azalaki deyo kadia akuti okufa. Mes condoléances na famille politique ya président de la République pe na famille biologique ya papa na biso deyo kadia. Mais quand on est na ipsi nos peuples congolais décider les lots ezo sala polémique mais ya mbote na kende na bino ba décider oyo et créer ba polémique na lingina yep sa bino nanuke après procès à Vital Kamerhe na remarqué ba déclaration belé na remarqué ba déclaration ba tuba ko lobaka ba lobi kete président dossier ya Vital Kamerhe comme politique na ko landaka même maman Amida moi si ya Werason maman Amida vidéo ezo circuler pona ko loba ete ayebi ndenge Amida bandaka ba faire ba bandaka na bango c'est grave. En attendant, ceux qui babeng si na parquet wana ki kende ou bien na tribunal kende o témoigner et qu'on a la problème. Donc, peuple congolais, toko tambala mona ba sije na biso. Pote, le temps c'est le temps. Na lingina ep sabino liberté provisoire. Mokili mobimba ba ningani et ningani pona koloba ete Vital Kamerhe zo soit liberté provisoire. Deuxième liberté, septième. Même nzambe na makomi na ye alobe asali mokili pendant 6 jours. Septième jour, c'est un jour à repos. Jusqu'à septième liberté provisoire à Vital Kamerhe. Oyo batuba bengi biso partout dans le monde, te Vital Kamerhe a zozo liberté provisoire. Ceux qui ont l'indi information, te information à Siri, yango na zope sabino. Septième liberté provisoire na eba rejeté yango. Parce que culpabilité zali makasi, cher Congolais. Moi na na ye Masaro a cloué ye. Moi si na ye Amida a cloué ye. Jean-Pierre Kognani Kangudia a cloué ye Bitankwira a cloué donc bakundi ende kokunda culpabilité za grave et le conseiller principal du président de la République Bilomba aya eko kata match na ma binomo ko bolanda ki audience vu tout ce qui s'est passé na comédie nyon se outa ki koleka entre Masaro Soraya na maman Amida faso ko sambela na bango. Et ils pensaient qu'ils étaient en train de blaguer avec le tribunal. Mais dans le tribunal, il faut parler les droits pour être Makamono et Kende. Après que le baba discours, c'est le bateau balanda qui va comprendre qui était. C'est le baba Masaro. Et Ramone a bandi ba discours rebelle ko bendi ko yebisa ba juge ko ba été juge na lingana somba concession na ngai concession na lingana somba wana le nom qui me venait en esprit comme ça c'est le nom de Soraya azo lo bangona na tribunal croyant que azo samba malamu croyant que azo défendre Kamerhe or que azo cloué tango coopération na bangoni so babandaki ya ko bongisa ndenge nini ba ko ya ko samba ba Masaro ba Amida ba ke ko zo lettre
parce que la liberté provisoire est un droit constitutionnel donné à tout citoyen. Aux arrêts, bah moni que dossier n'est en culpabilité à ma cité, il peut demander liberté provisoire soit bâti en résidence surveillée, soit bah bimisé justice et obenga kayaka. Nde est un droit pour nos montagnons. Mais pourquoi la ligne n'expliquant on a peuple congolais n'attend pas l'élo, n'a pas quoi l'élo pour tout ça déjà boutou. Je m'excuse parce que moi qui les n'ingani n'a pas réseau sur son n'a pas Facebook pour n'a pas été. On a déjà donné Vital Kamel la liberté provisoire. Mais il faut ça moutou moko Hollande ka RTNC ndenge tribunal zo ezo diffusé en direct. Pour moutou à Hollande, à tali ndenge ba bengisi, na ba chef d'état major ya ba garde républicain, na ba gouverneur ya banque centrale, ba yena ba bordero, na ba Pierre Kangoudia. Ba témoigner qui sont des amis d'enfance à Vital Kamerhe. Ba tu ba ye ba ye ba ye ba ye ba ye. Alors na façon masaro za ko lobela peuple congolais. Na façon maman ami da za ko lobela. Ndenga expliquer qui na ba juge que non abanda commerce na âge à 20 ans. Selon bango ba mona qui était Vital Kamerhe azane innocent. Selon bango ba boule qui azane innocent. Alors quoi faire? To comme une lettre au président du tribunal pour te présenter tribunal appelle sa Vital Kamerhe liberté provisoire. La liberté provisoire vient d'être rejetée par le tribunal. Babo akiango baboyi, balbi tikala nanu wana, babeta au 25 ans de prison. Où est le problème? Parce que justice c'est abisso. Nous devons soutenir la justice. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait cette injonction. Kutu na ko révéler bino. Na ko révéler bino tango avant même dossier oyo et comme à niveau à tribunal. Président de la République a opposé même ba membre cabinet à travers son directeur du cabinet à l'époque Vital Kamerhe. Pona kolobete nazoyo ka mamakele pona programme ya 100 jours. Peuple congolais landanga malam. Président bengi réunion cabinet nae. Première réunion salaka à l'époque na songi sabino. A gangeli na ba membre cabinet. Discipline kota na musala. Deuxième réunion na makele les akoyo kana ba so de muto kezo avancete musale zo sale matepe mbongo zo bima parce que à l'époque c'est l'époque là le ministre des finances ne muta sala déclaration na top Congo pona kolobete nous avons décaissé plus de 75% pour notre travail à programme à sa président de la république il y a 100 jours mais tozo mona misale zo avancete ça nous reste le gouvernement seulement 25% pour être aussi sa misala mais tant toke na terrain to moni ke musale za mabete président bengisi cabinet nae parce que à l'époque c'est le directeur du cabinet du président de la république à la personne de Vital Kamerhe ndé azala ki ko sala makambwana pour ko landa problème parce qu'il y avait un gouvernement sortant et un gouvernement entrant. Bon, moi, il y a une grande décision, et ça, ça va faire courant. Quoi faire? Kamerhe, il y a un coordonnateur, ou soit il y a un parmi les superviseurs, ou il y a un injonction, je crois que nous avons un procès qui est en direct à RTNC. Alors, façon dont on va s'améliorer, il y a une place dans le cabinet. Le président a bengi si bango na cabinet, pour être à l'époque, il y a un peu de bruit, il y a un peu de bruit. Oh, ils ont salé misala, oh, il y a programme nanga, 100 jours. Ils ont kendete. Peuple congolais, Dieu me voit, l'élo jour en botama nanga. Nako sabinote. C'est lui qui avait autorisé au président de la République. Tant kendete attaqué à la justice, va poursuivre Batou, oh, yo. Va se tourner mbongo pour un programme 100 jours. C'était Vital Kamerhe lui-même. Et l'élo, oh, yo. Bataille en se balingi ba komisango polémique politique ce n'est pas polémique politique ezande makambo ya solo nde yango na preuve la puna zongi sayi binona mwa sima pour pas comprendre que n'a rien à voir de politique c'est un détourneur c'est lui qui a détourné les deniers publics l'argent ou lingé za la pour intérêt peuple congolais à tourner alors tant ba masaro ba mi da ba leki ba soraya ba leki ba Pierre Kangoudia ba leki ba makaro so masaro ba masaro ba leki alors collègue na bango ba leki wana. Et qui est ça là été selon bango na ba réunion na bango ke ba kende ba sa la lettre pour être ba senga liberté provisoire alors même na ba chaîne locale même na ba chaîne ebele ya ba YouTube ba influencer peuple partout dans monde golbete Vital Kamerhe sur liberté provisoire. Je vous dis la vérité pour la première dossier aussi cité wana la liberté provisoire de Vital Kamerhe est bel et bien rejetée culpabilité est grave azotikala na prison bola la malam. Deuxième élément to lingito lobelana na butu alelo ezali présence ya expert ya cour pénale internationale envoyée par madame Fatou Bensouda qui est madame la procureure au niveau de ces pays. Pourquoi makambo ces pays comme ilelo? Pourquoi madame Bensouda azo zela kaka moma oyo atinda expert naye après covid 19
pwete ba ya kolandela dossier ya bexperia na sozini oyo bakufaka na kasai oyo pe na kata kasai tozo ebela ba force commune na dossier moko ezalaki phénomène moko comédie alors nde yangwana madame Bensouda aye kotinda ba expert na ye na déclaration madame Bensouda Bensouda plutôt oyo ces pays ezali ete après covid 19 ba expert bazoya mais en attendant na dossier au CPI azo Hollande la peuple congolais c'est monsieur qu'on appelle monsieur Trésor Mputu Kankonde qui est le chef coutumier muto a créé phénomène comme une ansap oyo na yebisa kibino na bémission précédente que yende na régime Kabila baloba ke bazo mona été akima soit ta kufa alors ba uti ko kangaye na bémission na lobaki ozare ndena yangwana ambassadeur même des États-Unis d'Amérique a sali déclaration olbete oui. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra parce que vérité koyebana nakati ya liwa ya bexperi wana banandi bayibaki or tango invitation wana izoya bexperi wana bazoya bazo vise nde nani bazoya kotala nde Joseph Kabila umukamate ce pays bientôt na kingakati pour aller chercher Joseph Kabila parce que na époque bexperi na sozini ba kufikuna justice internationale bi ke basa l'enquête Mende Oazali qui porte-parole à l'époque à cette déclaration que nous sommes une nation souveraine, nous sommes un état souverain. To boy injonction aux affaires internes de notre pays. Ça c'était des propos de Mende. Alors la communauté internationale à l'époque bâtit mais ça balbi que non, du fait que justice nationale balingi basa la musala na baona niveau à République démocratique du Congo. Bisototika, tilelo, phénomène comme une ça. Bato bazala kakuna ezalaka ba combattant IDPS. Bato bazala kuna ezaka bato balingaki acquis au changement. Alors, l'état est venu au Joseph Kabila doit répondre na ba acte na ye au nyoko li peuple congolais. Pendant 18 ans, s'il est grand temps parce que Kalev aza moko ya Joseph Kabila, Emmanuel Shadary aza moko ya Joseph Kabila. Oyo bazali sous sanction ya communauté internationale parce que à l'époque Shadary azali ministre intérieur, à l'époque Shadary nani monsieur Kalev azalaki directeur général ya agence nationale ya renseignement. Nde yangwana Joseph Kabila nda azali protéger bango. Alors, il est grand temps, je m'excuse, il est maintenant grand temps pour que ce pays a sala musala naye. Donc peuple congolais, ça vraiment je vous assure, vu la déclaration de madame Bensouda qui est la procureure ya ce pays, en tout cas, balino na somo tozo kende, lelo déjà toza si c'est le 6 ya journée universelle nanga. En tout cas, le 30 jours à musika, peut Joseph Kabila za la devant la barre na ce pays a ko samba na ba crime oyo asali contre ba peuple congolais. Troisième élément, je voulais chuter maintenant par l'opposition politique. Opposition à Daniel Saf. Opposition yaba Martin Fayoul. Opposition yaba Jean-Pierre Bemba. Opposition yaba Tou Oyonyonso. Ba koma ki ko diaboliser combo ya président Félix Tshisekedi awa que Félix Tshisekedi a été nommé. Mais, le problème, ce n'est pas Félix, mais le problème, c'est Joseph Kabila, tout bien Kabila. Chose étonnante, grave problème, les alliés, Mouto Bissoto Somona, na combo ya Mouto Nani, Daniel Saf, oya leki na ba émission, la mouka oba fingi, le peuple congolais, ba komiko wele la. La mouka comme en la majorité parlementaire au cash na FCC Bazalaki pour être basé au poste à Jamara Kabunda. Bisso Turbino, ce n'est pas un problème. On ne peut pas encore déléguer quelqu'un en dehors de Jamara Kabunda. Ou donc, tout ça, bah, technicien politique, nous, l'IDPS, tu as mis place au contraire Bango. Mais le bâtiment, c'est que dans le bac en 2006, Botika Banabasaka dans la zèle, un moment donné, Bago Kangama. Lelo Oyo, Daniel Safo Azalaki Kofinga, Félix Tshisekedi. Qu'il a été nommé par Joseph Kabila. Bango wana na assemblée. Assemblée oyo mibeko mboka lobi ke rolu nango ezali ko voter mibeko ya mboka pour te peuple azala nesengo. Ko voter mibeko ya mboka pour te peuple se retrouver ko contrôler gouvernement et comme assemblée ba Daniel Safu ko sala ba vidéo ko bine la Jeannette Kabila ko yembe la Joseph Kabila. Or, à propos de Daniel Safu, Ezalaki Kolobanini, Ezalaki Kolobaki, Félix Tshisekedi a été nommé par Joseph Kabila, nous devons chasser et Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Tala le loyo, Bangwana ba Daniel Safu, Bako Binaka. Donc, peuple congolais, bozala calme,
bosa la pose match na biso ezo kende liboso et donc bosa na bino très tranquille bosa na vraiment très posé donc biso tozo kende kaka liboso na mboka na biso oyo donc tozo évoluer na mboka na biso petit à petit Félix Tshisekedi akogere mboka te selon ben individu bazo ganga ganga na ba réseaux sociaux mais Félix Tshisekedi akogere mboka oyo na mokano na vision na programme na ye oyo alaka ka peuple congolais to banga trafic d'influence te ba mabenyo se comme libiso ezapoto yeba ba nani oyo bazali ba diable pona koloba makambo ya IDPS to ya président Félix Tshisekedi voilà peuple congolais en quelques mots makambo to linga to yebisa bino pona ko calmer bino donc en bref pour chiter na chiter na ngawana na lingaka na yebisa bino boye faites confiance au président Félix Tshisekedi parce que aza seul fils de l'homme oazo travaille pour l'intérêt du peuple congolais ba kosi bino lelo na ba liberté provisoire ya Vital Kamerhe ya wana uchi yebisa bino ba rejeter to kuta na jeudi na procès Vital Kamerhe pour na plaidoirie bino moko boyo ka ministère public akoganga ni pour na plaidoirie deux ces pays ndenge na uchi yebisa bino et enfin opposition ndenge bakomi ko lokoba ko ta na majorité parlementaire boza la calme botika malamu merci na batunyo so ba soutenir kangai partout na monde ba papa Jem Jamul ba Mishoka Lala ba papa na biso mama na biso Eveline moi si ya roi mabi na niveau ya Londres merci na ba soutien nyo so ba Sandra Cash vous êtes vraiment très nombreux vraiment nzambe apambola bino on se verra le jeudi le 11 pour la plaidoirie à Vital Kamerhe qui vivra verra et total ami kolekoya ndenge Joseph Kabila pe akende à la barre na niveau à ces pays bye bye Eshima votre magazine qui bat au rythme de l'actualité retrouvez la nouvelle édition exclusivité gouverneur Jacques Kiabulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi des Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiabulak Atwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité. Mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus Nene Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage. Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.